Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Morgane, je vous emmène dans la réouverture de ma chaîne afin de vous faire découvrir mon univers ou refaire découvrir à certaines personnes qui me connaissaient déjà mon univers qui s'est étoffé. Il se compose aussi bien d'art-thérapie, de coloriage adulte, que de scrapbooking, de mix-média et bien d'autres loisirs créatifs. J'espère que vous allez vous plaire à travers mon univers et mes différentes vidéos. Vous pouvez dès à présent mettre des suggestions en commentaire pour d'éventuelles futures vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir avec un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Donc, dans un premier temps, et pour se mettre directement dans le bain, je vous propose mes tout premiers coloriages réalisés au mois de juin. Donc, pour mes coloriages adultes art-thérapie, j'ai aussi bien fait du hors Disney que du Disney. Vous allez voir au fur et à mesure que j'ai quand même une immense passion pour Disney et son univers. Mais pour bien réaliser mes coloriages, j'ai deux indispensables avec moi que j'aimerais vous présenter. Dans un premier temps, je me suis pris un classeur que j'ai entièrement fait main. C'est-à-dire, j'ai créé les intercalaires ainsi que mes nuanciers avec tous mes médias. Donc brièvement, je vous le présenterai sûrement dans une autre vidéo dédiée à ce classeur. Mais voilà, j'ai créé des intercalaires avec les médias classés par ordre alphabétique. Donc acrylique, aquarelle, etc., etc. Et voilà comment il se présente. Hop, donc là c'est les crayons et les aquarelles sont faits sur du papier aquarelle. Voilà, je vous le présenterai dans une future vidéo. On fera aussi une gamme ensemble qu'on va tester. Donc voilà, voilou, ça c'est mon premier indispensable. Mon deuxième indispensable, c'est celui-ci. Donc, c'est un carnet que j'ai entièrement dédié pour ceci. Donc, qu'est-ce qu'est ceci? C'est tout simplement mes combos de couleurs. Tout ce que j'ai utilisé dans mon coloriage adulte, que ce soit aussi bien du fond, de la peinture, du crayon, des stylos, etc., etc. Alors, dans un premier temps, c'est voilà, pour savoir où je vais et à quel moment je suis arrêtée dans le coloriage si je dois m'arrêter en cours de route. Et dans un deuxième temps, pour pouvoir réaliser à nouveau des instants, des compositions de couleurs ou de matières qui m'ont bien plu. Mais voilà, après avec le temps, on ne voit pas forcément les différentes couches à l'œil nu. Donc là, je sais exactement quelle couleur de quelle gamme j'ai utilisé. Donc ça, je vais me le laisser ouvert. Et on va commencer avec donc, les deux coloriages. Donc c'est mes tout premiers coloriages que j'ai réalisés pour l'art-thérapie. En tant que loisir créatif à proprement parler. Pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissaient pas avant, donc avant la réouverture de cette chaîne-là, pour vous faire court, je suis décoratrice d'intérieur et j'ai accumulé pas mal de médias, que ce soit de la peinture, de l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres acryliques, des feutres à eau, des feutres à alcool, etc., etc. J'ai accumulé pas mal de médias lors de mes études pour être décoratrice d'intérieur. Et avec le temps, j'utilise principalement le même média. Voilà, pour mes mises en couleur, que ce soit des mises en couleur intérieures ou extérieures. Mais j'utilise principalement les mêmes médias. Au fur et à mesure de mon métier. Donc l'idée était de prendre les médias qui dormaient tranquillement dans mon atelier et d'en faire quelque chose d'assez sympathique
de détente et surtout de s'amuser avec la composition de plusieurs médias. Voilà, associer de la peinture avec du crayon de couleur, associer de l'aquarelle avec de l'acrylique, etc., etc. Je pense que vous m'avez comprise. Donc du coup, hop, j'ai réalisé donc mon tout premier coloriage adulte dans ce livre-ci. Donc c'est un livre qui vient du magasin Action. Donc pour être honnête avec vous, mon tout premier coloriage, je ne voulais pas, même si j'avais des livres Disney, je voulais pas démarrer directement dans du Disney par crainte de me vautrer. Voilà, tout simplement. Donc c'est un livre qui vient de chez Action, donc Craft Sensation, c'est une de leurs marques. Et je me suis lancée dedans. Donc voici le résultat. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que... Oui, vous voyez bien. Ok, hop. Je vais peut-être enlever le plastique, vous verrez mieux. Donc voilà mon premier coloriage adulte. Hop, réalisé. J'essaye de jouer avec la lumière pour que vous voyez bien les nuances. Donc vraiment, sur ce coloriage, il y a énormément, énormément de matériaux différents. Alors, tout est écrit ici. Quand on fera une vidéo dédiée sur les coloriages terminés de fin du mois, je vous dirai exactement ce qu'il y a. Mais grosso modo, voilà, il y a des encres à alcool, donc qui s'active aussi bien avec de l'eau. Il y a des marqueurs acryliques, du Posca qui est aussi un marqueur acrylique mais avec une marque différente, des crayons de couleur, des stylos gel, principalement différentes gammes de crayons de couleur, ça on en reviendra plus tard. Hop, des encres, je vous ai dit. Voilà, ça c'est pour ce coloriage. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de matières différentes. Il y a des encres, de la peinture, des crayons de couleur, des stylos gel. Voilà, déjà c'est pas mal pour un coloriage je trouve. Donc voilà. Voilà pour le premier coloriage. N'hésitez pas à me dire en commentaire le coloriage que vous préférez dans les deux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça m'intéresse et dites-moi si vous avez des thèmes pour des coloriages à venir. Pourquoi pas en réaliser ensemble. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc ça, c'est le premier coloriage. Hop. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que je suis littéralement maniaque. Et donc voilà, ça c'est pour le premier coloriage. Et donc le deuxième coloriage que j'ai effectué au mois de juin et qui quant à lui prend une double page parce que j'ai utilisé quand même pas mal de choses. J'ai utilisé des Magic Pen, donc c'est des poudres qui s'activent avec de l'eau, enfin c'est des petites poudres, je peux vous les montrer là. En fait c'est ce style là, voilà, c'est des petites poudres comme ça qui s'activent avec de l'eau. Voilà pour ça. De la peinture, donc le frambourgeois, de l'aquarelle, de la peinture acrylique de chez Cultura, des crayons de couleur. Donc là, il y a au moins 3-4 gammes de crayons de couleur différents. Une autre gamme de peinture, là, c'était de l'acrylique. J'ai aussi utilisé de la gouache. Enfin, voilà. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de médias différents et j'ai pris un malin plaisir à noter toutes mes combos couleurs et surtout, voilà, à quoi ils correspondent. Donc là, le fond, la peau, les cheveux, etc., etc. Je vous montre pas forcément la suite parce que c'est les coloriages du mois de juillet et je dédierai une autre vidéo pour les coloriages du mois de juillet. Hop, donc voilà, j'ai réalisé cette Mulan. Comme vous pouvez voir, il y a du nacré derrière.
Voilà, le doré, il est, hop, il est nacré. Vous voyez, la poudre que je vous ai montrée, c'est pour faire le fond. Donc, vous voyez, il y a des petites touches vertes et jaunes dans cette poudre, qui est plutôt sympathique. Du crayon de couleur. Les cheveux aussi, je les ai refaits. Je ne sais pas si on verra bien. Ouais. La texture des cheveux, c'était un aplat noir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, c'était un aplat noir comme ceci. Donc, j'ai retravaillé les cheveux, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser. Mais j'ai pris goût à cette nouvelle discipline, à ce nouveau loisir qui est le coloriage adulte, l'art-thérapie, appelez ça comme vous voulez. Il peut porter les deux noms. Mais voilà pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré, que ce soit du hors Disney ou du Disney. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour vous lire. Et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Salut !